Madame le secrétaire général, Madame le chef de cabinet, Monsieur le conseiller, Monsieur le... Je vais dire. Le seul coq de la basse-cour. Madame la directrice, Mesdames les directrices communales, Mesdames les chefs de service, c'est déjà des différents départements ministériels, braves femmes des différentes associations féminines de Conakry, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je vais vous prendre un engagement. J'ai entendu le repas. Je vous promets que d'ici la fin de l'année 2016, on va partager ensemble un repas. Avant de vous dire le vif de notre rencontre, j'aimerais particulièrement vous remercier. C'est très facile d'appeler, mais c'est très difficile de répondre. Il n'y a pas 4 jours, vous avez reçu des lettres d'invitation pour cette rencontre. La majeure partie de celles qui ont reçu des lettres m'ont appelé pour des précisions, pour dire que nous sommes engagés. Même si vous nous appelez le matin ou le soir, on sera là le soir. Et c'est ce qui est confirmé par la présence massive de toutes les organisations qui se trouvent ici. Soyez vivement remerciés au nom du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Sans vous, ce ministère ne vaut rien et on ne peut rien faire sans vous. C'est pourquoi nous avons sollicité de nous rencontrer aujourd'hui ensemble. L'année passée, nous avons sillonné quelques ONG. On n'a pas pu faire toutes les ONG. On s'est rendu compte que nous avons créé de la frustration. Donc, pour corriger cette frustration, nous avons bien voulu créer ce cadre idéal de la Blue Zone pour pouvoir échanger avec vous. L'objectif fondamental de la rencontre, c'est pour vous présenter d'abord les meilleurs vœux. On vient de finir une phase très importante de l'histoire de notre vie. Avec vous, nous avons rompu la chaîne de contamination du virus Ebola. Avec vous, nous avons fait la promotion des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 7 femmes au gouvernement pour vous représenter. Ces 7 postes vous appartiennent, c'est pour vous. Et nous avons besoin de votre accompagnement. Si vous ne vouliez pas partir pour qu'on soit 7, on n'allait jamais être 7. La volonté du président ne fait pas défaut. Mais c'est le combat de chacune d'entre vous qui nous a amenés à 7 femmes dans le gouvernement. Comme les bonnes choses se copient, le Burkina Faso a imité la Guinée.